Le géant japonais de l'électronique grand public, Sony, prévoit des pertes de presque 5 milliards d'euros pour son exercice 2011-2012 qui s'est achevé fin mars, soit le doublement de la perte prévue au mois de février. On sait que le groupe japonais souffre de la demande pour ses téléviseurs et de la concurrence de rivaux plus innovants tels que l'américain Apple ou bien encore le sud-coréen Samsung. L'action Sony a chuté de 3,5% mardi à la bourse de Tokyo après cette annonce. Lundi, la presse japonaise avait annoncé la suppression de 10 000 emplois chez Sony. Pour l'exercice en cours, Sony prévoit de renouer avec les bénéfices d'exploitation, ceux qui sont directement issus de l'exploitation commerciale et qui ne tiennent pas compte des remboursements de la dette.